L'écriture de Nostradamus était une écriture au cryptage complexe. C'est incontestable, j'ai découvert le secret d'écriture de cet homme. J'ai mis 36 années pour comprendre. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture complexe a été mise à jour. Voici maintenant la révélation du 90 de la 3e centurie. Voici maintenant le quatrain numéro 10. De sang et faim plus grand calamité. Cette fois s'appreste à la marine plage. Monèche de faim, lieu pris captivité. Le grand mené croc enferré cage. Dans ce quatrain, Nostradamus nous parle à nouveau des Andes. Il dit bien que ces textes seront pour les êtres, afin qu'ils puissent connaître la fin de la civilisation. Il affirme que Dieu est à nos côtés pour aider l'humanité, qu'il faut se dépêcher à faire connaître ses textes. Il affirme que nous connaîtrons leur hache d'un événement irrémédiable et que nous connaîtrons la fin des temps. Il voit la grande menace toucher les Andes. Il affirme qu'elles seront démises et qu'elles s'effondreront. Il voit une gigantesque explosion due au gaz. Nostradamus, dans les autres quatrains, décrit cette forte explosion due au gaz qui se passera dans le rond nord. Il est fort probable, et même certain, que ce sera une nappe de gaz très peu enfouie qui explosera à cause du réchauffement climatique. Mais cette explosion sera due à un navire de guerre. Voici maintenant le décryptage du quatrain numéro 10, selon le premier degré. Ce sera le décryptage du quatrain entier. Cette émission mettra le thème ici. Et autre chose sera connue. Il faut savoir ce cas des grandes Andes. J'ai géré l'époque de l'année par ces lignes. Cet art a donné ce pouvoir par plus de lecture de cette coutume d'expression pour que les êtres connaissent la fin et puissent en avoir l'époque. Sera mis le premier temps, tellement sera cette année de la première GN. Il sera cédé par ce duo de Dieu qui nous aide en ayant l'époque. J'ai épelé ce jeu des mots et les rimes seront innées, naîtra l'angoisse. Moi, j'ai eu d'Allah ici, pour autre chose. Tu auras rapidement tes pouvoirs, ils sont proches. Il est pressant de faire ses heures avant la grande sape. Tout cela se passera. Nous entendons cette fois si haute. Elle sera le sceptre de la connaissance. Tu pèses tes visions et tu tisses la connaissance qui aura pour cap de passer Pâques. Et ensuite, tu auras l'air des mots, ici. Sire, tu as l'angoisse de ce pouvoir en ayant lié la lecture de la connaissance et connaître la fin des temps. La fin sera mise dans ces premiers faits qui donnera naissance à cet essai. Qui de leur hache sera connu par l'aide des mots? Les hommes auront aux lèvres et à la bouche ce jeu des mots. J'ai pris connaissance de ces heures et erré pour faire l'air des mots. Faire et les refaire en heures. J'ai été errant afin de permettre la naissance de cette connaissance de l'air des mots difficile pour décrire les OOC et savoir que le corpus de la connaissance fut souvent menacé. Il faut émettre cette menace. J'ai géré l'époque de l'année des grandes Andes. Il a donné dans cet art. J'ai un autre délai. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le 2e, 3e et 4e degré. En 1, de Dieu sera les usages. Ce sera ça. En ayant l'année de neige de la gêne première, j'ai vu en été ta thèse faire l'époque. Cette émission mise ici inscrira mes pouvoirs par plus de lecture, sera cette coutume. Elle sera une connaissance aigre. J'ai géré l'époque de l'année des Andes, où seront des décès, des calamités. Nous savons cela d'Allah, qui dans ses notes a mis son âme et ses idées. En été, tu seras aidé de Dieu. Dans ses usages sera inscrit l'année de neige. En deux, en été, tu auras les thèmes mis en ce moment, en ayant d'Allah les notes de cette première connaissance qui cédera les dangers de l'année narrée. Dans cet art. En gérant l'air des mots qui étaient scellés, j'ai la connaissance de cette lecture dont le pouvoir sera mis ici même. En été sera dévoilée la haine des neiges abondantes due à la géhenne de gaz qui fera tout céder. Il faut écrire l'aide de Dieu. En été, ce thème sera dévoilé. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le 2e, 3e et 4e degré. En 1, cette connaissance sera l'épée de ce sceptre. Les dangers des puissances auront le pouvoir de faire péter cette fois la planète. Tes thèses devront être entendues ici même. Elles seront la foi.
elles seront l'essai de la connaissance dont le pouvoir est proche. L'ère des mots fera le reste de ses usages cet été. En été sera l'âme d'Allah dans ses notes. Moi, j'ai marié l'art de l'ère des mots et les rimes. De naissance, tu auras l'épée de ce pouvoir sur les notes en ayant l'époque. J'ai fait ce jeu de mots qui deviendra l'essai de la connaissance dont le sceptre sera ce pouvoir de lecture. En deux, j'ai eu mon égal pour ce pouvoir de peine. Dans les Alpes, la haine et l'angoisse, une époque de rame, ce sera l'amas du mal que vous aurez. J'ai eu d'Allah ses notes avec la durée de l'existence inscrite rapidement dans tes thèses. Il faut faire les heures. L'ère des mots est un pouvoir effrayant. Le pape aura cet abcès. La connaissance aura le seuil ici même. Sera le pouvoir par tes thèses et de tes usages émergera une connaissance égale. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, les mots du monde seront élevés. Tu auras la naissance dans cet essai de la connaissance de leur H. De Dieu sera cet effet. Il te fera avoir l'époque et te mettre le premier en cédant la lecture liée. Sous les yeux sera le jeu des mots. Tu prendras le pouvoir de l'ère des mots ici même. Il sera le savoir apportant le pouvoir. Ce sera le CAP. Tu as capté ces petites visions et rapidement en été seront les thèmes des mots. Et éviter les mots du monde qui seront dans cet essai de la connaissance avec leur H. En deux, seront des visions rapides en tête. Tu auras de même nature ce premier pouvoir passé à Pâques. La connaissance sera dans cet essai ici même, sire. En ayant l'angoisse de l'ère des mots et avoir ce pouvoir de publier la lecture de cet ouvrage de vers poétiques, mis maintenant seront les faits et l'époque, par l'aide de Dieu, sera indiquée leur H. Par la connaissance seront les scènes du monde. Je nomme un homme par son nom. Il mettra en été ses visions rapides. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, ce legs gérera l'époque de l'année des grandes andes. Elles seront démises. Elles se démèneront et seront traitées avec force, agitées, remuées, maltraitées et frappées. Leur secousse provoquera une grande hostilité. Cet événement naîtra dans cet essai de la connaissance. Dans l'ère des mots difficiles sera inscrite l'époque des os et des océans en haine. Ce sera la conséquence. Les heures naîtront dans l'ère des mots. Pour cette terrible époque sera indiquée la durée de l'existence. Dans l'essai de la connaissance sera cette époque. J'ai fait ce jeu de mots pour cela. En deux, j'ai fait ce jeu des mots. Par cela sera la grâce pour le premier qui connaîtra la durée de l'existence de ce monde. Dans l'ère des mots sera la description de ton air qui sera rasé, effacé. Ce sera une véritable gale, une teigne que feront les océans. Il y aura des scènes, des océans. En haine, elles iront dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, tu dois savoir ce puissant sortilège. Avec les scènes d'où naîtra le néant, la durée de l'existence sera limitée. Il faut émettre l'aide de Dieu qui te donne cet art en narration par l'air des mots. J'ai gelé à la vue ce legs. Tu auras cette connaissance le premier. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.